Louange est à Allah et que Allah élève davantage les degrés du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans Surat Ali Imran, ayah numéro 85, Allah tabaraka wa ta'ala dit ce qui signifie « Celui qui choisit une autre religion que l'islam, elle ne sera pas agréée de lui ». Dieu dit aussi dans Surat Ali Imran, ayah numéro 19, ce qui signifie « Certes, l'unique religion que Allah agrée, c'est l'islam ». La religion acceptée selon le jugement de Allah, c'est l'islam, et suivre cette religion entraîne la félicité dans l'au-delà. Allah a envoyé des prophètes qui sont des hommes véridiques, qu'il a spécifiés par le statut de prophète pour enseigner aux gens la croyance de l'islam et ce qui leur est profitable dans leur religion et leur vie d'ici-bas. Tous les prophètes sont musulmans. Ils ont pour croyance que Allah est unique, qu'il n'a pas d'associé, qu'il existe sans endroit. Le premier d'entre eux est Adam, et le dernier entre eux est Muhammad, que Allah l'honore et l'élève davantage en degré, ainsi que tous ses frères prophètes. Quant à leurs lois, Sharia, elles diffèrent les unes des autres. Ainsi, dans la loi de Moussa et dans celle de Isa, Jésus, les musulmans faisaient deux prières pendant le jour et la nuit, tandis que dans la loi Sharia de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans font cinq prières pendant le jour et la nuit. Je finis en demandant à Dieu qu'il nous augmente en connaissance et que nous soyons parmi les gens du paradis et de la félicité. Que la paix soit sur vous et à la prochaine.